Withdraw. Le président, President, please veuillez vous asseoir. It. Reprise de l'audience. Maître Copeux, je vous en prie. Maître Copeux. Merci, Monsieur le Président. Just for the record, j'aimerais dire 10,045, which was just discussed with, qu'il a été question du document E3-1045. Au fin du procès verbal, nous avons vérifié, y compris la traduction. Dans Zilab, on voit que la traduction n'a pas encore été notifiée aux parties. Elle a été versée au dossier seulement aujourd'hui. D'aucuns insinuent que nous utilisons à mauvais escient le temps de préparation. De telles insinuations sont déplacées. Sorry, are you saying the Are you saying pour être sûr d'avoir bien compris, vous dites que la traduction officielle a été établie. J'ai cru comprendre que ça avait été officiellement traduit. Ou bien est-ce que vous parlez d'un autre document? La défense, non. De toute évidence, l'accusation n'avait pas de traduction anglaise, les autres parties non plus. Il s'avère qu'apparemment, la traduction vient d'être créée officiellement dans Zilab, aujourd'hui même. La date d'établissement de ce document, c'est aujourd'hui. Le document n'a pas encore été notifié aux parties. Nous ne sommes donc pas encore en mesure d'être informés de la traduction. Voilà ce que je voulais dire. Maître Copé, la seule chose que j'ai faite, j'ai informé les parties que le document est accessible par le système de Zilab. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Zilab depuis la salle d'audience. Si vous voulez faire des vérifications, c'était carry out verifications. This is why I made these remarks. But if you thought that these remarks were useless, well, I don't think that that is quite fair. Le président. La parole est donnée aux co-avocats principaux pour les parties civiles qui pourront interroger le témoin. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President, and good morning to all of you. J'ai une remarque en fait. I have a comment to make on what our colleague has just said, even if I risk opening up a discussion, but however, it is important to me simply to specify that the Nunchia defense did not object to the admission into evidence of the documents that serve as the base of the OCIJ list. And we all know that most of the documents that were used as the base for the OCIJ list were not translated. They were simply available in Khmer. So I'm a bit concerned by my colleague's attitude, because if we can only use documents that are translated in all three languages, well, the number of documents would be very, very limited. And here, once again, the defense had the occasion and the opportunity to make objections, and these objections were not made at the right moment. So I didn't want to open up a whole discussion on this, but simply I would like you to understand that there's a difficulty or reality here, and to let you know that most documents that are used as a base for the new OCIJ list are only available in Khmer and were admitted by the chamber in Khmer, that is to say in one of the working languages of the court. That is a reality. Now, in terms of my questions now, witness, well, good morning. My name is Marie Guiraud, and I represent the Civil Party Collective in this trial, and I have a few follow-up questions to put to you, basically speaking, so that I may understand a bit more in detail votre travail au quotidien your daily S21. Work at S21. Et j'aurai une ou deux questions I have pour commencer one or two questions to start, le processus d'enregistrement regarding the à proprement registering parler. Registration process in itself. You clearly explained that you were in charge of drawing up lists and of drawing up short biographies of the prisoners who were arriving at S21. And very concretely speaking, I'd like to know how you would note down the names of the prisoners arriving at S21.
did these people provide you orally with their names and then you would write them down phonetically on a phonetic basis, or was there another process that you followed for you to know the names of the people that you had to record in your lists? For the prisoners who were brought in, into the prisons, I met the list myself. Moi-même, j'établissais la liste des prisonniers entrants au moment de leur arrivée. I had the names of their parents, je consignais le nom de leurs parents, leur métier, leur région d'origine. And that was the brief, information. Il s'agissait donc d'informations succinctes. Et sur ce nom que and, vous consignez, on the basis est-ce of that name c'était that you would record, la personne was this the name of, was it the person arriving who would give you his or her name orally and then you would record it? Or was that the process you followed back then? Was that the procedure you had to follow? Regarding the procedure, when they came, I asked them quand their ils names, arrivaient, je leur demandais leur nom. I wrote accordingly, je consignais based on the answers, le nom qu'ils me donnaient. Et donc est-il exact de dire que vous pouviez consigner les noms de manière phonétique, c'est-à-dire que la personne vous disait comment elle s'appelait, dès lors vous notiez le nom que vous entendiez. Est-ce que c'est exact? Is that the case? Yes, that is correct. C'est exact. I wrote down the names. Je consignais based on leur nom. The answer they gave to me. Qu'ils me le donnaient en réponse usually à ma question. Use simple questions. En général, je posais des questions easy simples for them to et answer. Faciles à comprendre pour qu'ils puissent y répondre. Je vous remercie, c'est beaucoup thank plus you. Clair. Est-ce que things vous notiez également now. Systématiquement would you also si la personne note down était accompagnée if the person was de accompanied membres de sa famille by family members or not? Every prisoner who were brought in, I wrote down their names, except je consignais le nom de chaque prisonnier entrant, à l'exception des enfants qui arrivaient aux côtés de leurs parents. Ces enfants, je ne consignais pas leur nom. Et quand, par exemple, des familles arrivaient, and when, des époux arrivaient, est-ce que vous consignez cette information? Would you record that information? Le fait qu'une personne qui arrivait would you record était the fact l'époux that d'une autre personne, was maybe the spouse of another person or the brother of another person? Est-ce que vous consignez would you ces record that kind of information on a systematic basis in your lists? For those prisoners who were brought in with their families, I did not record their family relationship. I le lien de parenté simply recorded entre les gens qui arrivaient. On je consignais an individual chaque basis individuellement. Vous avez évoqué l'arrivée de familles. Était-il fréquent de voir arriver so, des familles, des parents avec des enfants, see, des familles plus larges families arrive on a à l'enregistrement basis, à S21 to be registered at S21? For spouse and children
such cases did not happen often. Il n'y avait pas souvent de conjoints et d'enfants. Such cases happen mostly with Vietnamese people. Ce genre de cas concernait essentiellement les Vietnamiens amenés de Kampong Sam. Donc vous nous dites que les Vietnamiens arrivant de Kampong Sam étaient en général en famille. Est-ce que je comprends bien votre réponse? Is that what I must understand from your answer? Yes, that's c'est correct. Exact. Many of the people who were brought in together with their families were mostly those who tried to flee to another country. En famille étaient des gens qui avaient essayé de prendre la fuite vers un autre pays. Et donc des familles que vous considériez comme des familles vietnamiennes. So, families you considered as Vietnamese families. De votre précédente réponse, using the words pas used in your previous answer, not necessarily. Yes, mostly were Vietnamese families. Dans la plupart des cas, c'était des familles vietnamiennes. Je vous remercie. Thank you. Vous avez évoqué yesterday you spoke un jeune garçon about a young boy who would assist you and who arrived in 1978 from Am Leong. Vous avez indiqué and hier you said yesterday when you were answering the co-prosecutor that Lan, ce jeune garçon, this young boy, therefore, environ 14, 15 was about 14 to 15 years je voudrais old. Vous faire réagir so à I'd like you to react to de vos déclarations. Another one of your statements. Qui situe Lan which, à un âge beaucoup plus jeune. Says that et Lan je fais référence is much ici younger, à votre here, interview avec le Centre de documentation with, CDCAM, DCCAM, E3/93/20, ERN en français ERN 002-8-4-9-2. En anglais English, 009-09-09-1-5-3. ERN en Khmer, 00-00-5-2-0-0-1-5. Et vous indiquez en réponse à la personne qui vous interrogeait à l'époque, answered the person questioning you back then, il avait plus de 10 ans. He was older than et quand on lit la version when we en read, Khmer, mes collègues Khmer m'indiquent version, que my colleagues tell me vous that, dites en Khmer you're saying in Khmer aux alentours that de 10 he ans. Was around 10 years old. Donc ma question est so la suivante, est-ce que Lan était un enfant Lan ou est-ce qu'il child, était un adolescent? Or was Lan an adolescent? At that time, Lan was an adolescent. Lan était un adolescent. Donc quand vous avez indiqué so à la personne du CDCAM qu'il avait aux alentours de 10 ans, person that he was around 10 years old, vous étiez un peu bas dans l'échelle et vous dites aujourd'hui your qu'il estimate était was plutôt rather âgé conservative, de 14-15 ans. And now today you're telling us that he was 14 or 15 years old today. So is that your answer? Ni mà tam ka đai khum chlai kư khum mun aj dang pet prakot. It's from my estimation. I did c'est not une estimation know his exact de ma part. Age because je ne connaissais I pas son âge exact. Did not know about his biography. Car je ne connaissais pas son passé. Est-ce que Lan savait écrire? Did Lan know how to write? Lan got to say, got to got Lan could write. Lan savait écrire.
previously he was in the children unit. Il avait fait partie de l'unité des enfants. Et comme il savait écrire, il a été amené pour me seconder dans mon travail. Est-ce qu'il lui est arrivé d'écrire des listes également? Did he ever write up lists as well, or would he assist you subordonné, in a more subordinate position, we could say? Did he himself draw up lists of the people entering and leaving S21? Did not do it often regarding those who were brought in souvent, and taken away. S'agissant de ceux qui étaient amenés sur place et emmenés. He assisted us, especially when il apportait son concours, it was a very busy time. Surtout lorsqu'il y avait beaucoup de travail. His main task was to record the numbers of the prisoners de consigner le nombre de prisonniers various cells occupant telle ou telle cellule. Je vous remercie. Vous Thank est-il you. Arrivé pendant la période où vous avez During travaillé à S21 d'autoriser did you ever allow à travailler prisoners to work outside, that is to say, to work within the prison compound, but however, assigné à un travail en particulier. Sent to work on a specific task. Is this something that you ever allowed? I had no right to order or to remove those prisoners who were allowed to work outside. It was à retirer Hoare des prisonniers autorisés à travailler à l'extérieur. C'est Hoare qui en avait le pouvoir. Je voudrais vous citer le témoignage d'une partie civile qui Now to quote the testimony of a civil party who came here to testify, Mr. Chumei, et qui a indiqué la chose suivante, said the following, vous lire so I'm going to read out what he said, je voudrais savoir and si I'd like cela to know if this somehow refreshes your memory. Donc nous sommes so à this à la is, fin de son séjour à S21. We're speaking here about the end of his stay at S21. Nous he says the following. 19 avril 2016, Monsieur le Président. 19 April 2016, Mr. President, just before 11:21:29. Il indique and ceci, he said the following. À la fin, at the end, SUOS Thy est venu demander came qui to ask avait été envoyé d'Orusei. Been sent from Orusei. J'ai répondu que c'était and moi, I answered that it was me, et il m'a dit que le lendemain, je serais autorisé I will be allowed à travailler à l'extérieur en me demandant de ne pas m'enfuir. But he le asked me not to flee. SUOS Thy the next day, SUOS Thy came back propres. With clean clothes. Il a enlevé les entraves à mes chevilles. He unshackled my ankles, but on handcuffed me. De mettre un caleçon and et une asked chemise. Me to put il on an underdraw and a shirt, and he brought me to the back of the building to fix the sewing machines. Est-ce que cet so événement vous rafraîchit does la mémoire? This event somehow refresh your memory? It happened a long time ago. Cela remonte à longtemps. My memory does not serve me well. Je ne m'en souviens pas but bien. I would like to clarify that it was mais j'aimerais préciser Hoare ceci. Who had the authority c'est Hoare to qui était habilité order prisoners to work outside. À ordonner à des prisonniers d'aller travailler à l'extérieur. Et Hoare pouvait-il donner l'ordre à quelqu'un d'autre de mettre en œuvre sa demande? Implement his request? Et si oui, qui concrètement? And if yes, who concretely could do so? Changer les prisonniers d'affectation quand ils étaient assignés à travailler à l'intérieur de l'enceinte de S21? Other assignments when normally they were assigned to work within the S21 compound? Hoare was S21 deputy. Hoare
était le chef adjoint de S21. Il exerçait donc son autorité sur tous les gardes. And he could assign the, il avait people. Le pouvoir de confier telle ou telle tâche aux gens. Je vous remercie. Avez-vous le souvenir que des personnes étaient affectées au nettoyage et au transport d'excréments? Cleaning and to transporting excrements. Yesterday, when you explained, when you described the different units at S21 and the organization of the staff, do you remember if there were people who were assigned to transport and clean excrement? Do not recall it clearly. Je ne m'en souviens pas bien. But what I remember is that the cleaning task je me rappelle was the responsibility of the guards unit. Que c'était l'unité des gardiens qui s'occupait du nettoyage. Pas d'autres souvenirs à no ce other sujet, recollections in that regard? Notamment une fois que les excréments étaient nettoyés, and est-ce que vous savez once the où ils étaient transportés? Cleaned. Do you know where the excrement was transported? Vous Do you remember si ça fait longtemps? That, even if this happened a long time ago? It was not my responsibility with this, with such kind of je task. Ne m'occupais and pas that's de ce why type de travail. I did not pay much attention to them. C'est pourquoi je n'y ai pas fait très attention. Je vous remercie. Thank you. Avez-vous entendu parler à l'époque lorsque vous étiez back then, when you were, responsable in charge of the list at S21, de cas de did you ever hear of cases of prison, female prisoners who were raped by S21 staff? C'est quelque chose dont vous avez is this eu connaissance something à l'époque? That you heard of back then? I was not aware of it. Je ne savais rien à ce sujet. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que d'autres témoins plus bavards que that vous other witnesses sont venus who are more talkative than you testified dans les semaines qui ont précédé in the weeks, et je voudrais vous citer prior to le today. Témoignage de and Jean-Paul. I'd like to qui est venu témoigner quote le 5 Him mai Hoy, devant cette who chambre, came to testify on the 5th of May before this et chamber, déclaré, and who said, après 13h58, after 1358, et cela vous concerne directement, and you are directly concerned by this, so let me read out what Him Hoy said. Il parle d'un événement he's speaking about viol, a rape that apparently took place at S21, and he says the following in that regard. J'ai dit que la I said qui avait that été the person violée, who had been raped, la prisonnière, the female prisoner, j'ai dit que la personne qui avait violé la prisonnière était un assez jeune garçon de 12 à 14 ans et qui venait de l'Ouest. Of 12 to 14 years old who came from the West. Then a training session was organized and we spoke about the rape of this female prisoner. Et ce jeune garçon n'était pas Dutch. This young boy was not Dutch. Il indique ensuite, he then says, je ne connais pas le nom de cette personne, mon frère T. But brother lui, T, il le savait. He knows. C'était un he jeune knew. Gardien it qui was a young guard Teng. Who was working with Teng. Et il indique and sur question de notre confrère Copé. Says in response il s'agissait to d'un Council jeune Copé garçon qui avait that environ this was 14 a young ans. Boy who was about 14 years old. Peg était de fraction et SUOS Thy connaissait guarding, peut-être ce jeune garçon qui a commis le viol. Might have known this young boy who donc je voulais savoir, raped monsieur the female prisoner. Le témoignage so, de Him Hoy. What I want to know, witness, if witness si is if Him Hoy's testimony refreshes your memory, and if you remember garde, rape that apparently was committed by a young guard you knew back then.
Let me clarify on this issue. J'aimerais préciser un point. I did not know it well. Je n'étais pas bien because it was the within the work of the guards unit. En effet, cela relevait du travail so de l'unité des gardes. I could not comment on it. Je ne peux pas faire de commentaires sur les propos de Him Hoi. I simply concentrated on my work. Je me concentrais seulement sur mon travail. 24 heures sur 24. And I could not go out to anywhere. Je ne pouvais pas me rendre où que ce soit. Donc comme quand Him Hoi dit devant cette chambre. So when Him Hoi said before this chamber. Vous pourriez connaître that ce jeune garde might have known this young guard ce viol, cela who ne vous committed this rape. Rien. This somehow doesn't remind you of anything now. I told, I tell the truth. If I remember it, I would tell you. Si je m'en souvenais, je vous le dirais. It was, as I told you, it was within the comme je vous l'ai dit, task of the guards unit. Cela relevait so du travail it was de Hui l'unité des gardes. Who had more knowledge c'est donc about Hui this. Qui en savait davantage à ce propos. I was so busy with my moi-même, task. J'étais très pris par there mon travail. There was only one person to do my task, so j'étais seul I did à not faire have mon time travail. To pay attention je n'avais to donc such pas things. Le temps de faire attention à ce genre de choses. Vous étiez très pris, certes. You were very busy, of course. Vous étiez aussi au however, milieu de beaucoup de choses. You were at the center of many things. Je voudrais vous faire réagir so à, like à d'autres, to react, to, d'autres faits de viol dont nous avons parlé depuis le début du segment de S21 pour savoir since, si the beginning of cela the S21 vous rafraîchit segment, éventuellement la mémoire. In order to know if this might refresh your memory. Lakmin, Lakmin, le 26 avril, on 26 April 2016, spoke un about un garde an instance qui s'appelait of Toik, rape implying a guard by the name of Toik, who apparently une raped prisonnière. A female prisoner. Toik aurait ensuite essayé Toik de se jeter tried du haut d'un bâtiment. To jump off the top un of a building. Dont vous avez entendu so parler à did you hear about et si this oui, event? And if that is the case, what can you tell us about it? Le président, témoin veuille attendre, maître Coppé. Mr. Witness, please hold on. I give the floor to Victor Coppé. Maître Coppé. Yes, Mr. President. Maybe the translation wasn't. Peut-être que la traduction conveyed properly because n'a of the, pas été bonne name, à cause du nom prononcé. Mais je pense qu'on parle du même incident. Un viol qui aurait été commis par Doik. Je ne me souviens pas qu'il ait été question dans la bouche de ces gens de différents incidents, mais je suis peut-être induit en erreur par le nom. Well, j'avoue ne pas comprendre I don't understand l'objection the objection, de notre confrère. Je parle bien I'm de speaking deux about incidents two different de viols incidents. Différents. Incidents of rape, one involving a young guard, a very young guard, connu, who apparently Sosti knew, that's one event, et and the second event is an incident that involved Touch, a guard by the name of Touch, T-O-U-C-H, who apparently jumped off a building, et donc il s'agit and d'un deuxième so this incident. Is a second instance. Avant que mon well, frère before, prenne la parole, votre diapositive, peut-être et ça aidera the floor, tout le monde à suivre si nous pouvions avoir maybe it would be helpful, les références if you could give des, us, the des references, drafts en question. The references of the ça drafts. Nous permettra d'éviter les this, confusions in et fact, de pouvoir would, vérifier allow us, les orthographes. To, merci. Avoid this confusion and to check the spelling. Thank you. It's my understanding that we Maître speak about Coppé, one incident, je crois comprendre que nous parlons d'un seul incident. Because of the differences in names, but compte tenu de la différence dans les noms, mais soit. President. Le président. There was only one incident. Il s'agit d'un seul and the correct name incident. Is Toik. Le nom correct, c'est Toik. I suggest to check the transcript.
La juge Fens, veuillez vérifier la transcription. Je pense me souvenir que l'on parle de deux cas de viol à S21 à l'époque, mais il faut vérifier la transcription plutôt que d'en discuter à perte de vue. Je pense qu'il faut effectivement clore le débat et chaque partie pourra revenir au transcript. Il me semblait avoir donné les références, donc je les redonne. Pour le premier incident dont je parlais, et en ce qui me concerne, il s'agit de deux incidents séparés. Je faisais référence au témoignage de Kim Hoy, qui est venu témoigner le 5 mai, et je citais un extrait juste après 13h58-30. Pour moi, il s'agit d'un premier incident. That is the first incident, as far as et ensuite, I'm concerned. Pour le deuxième incident, as regards the second incident, je faisais référence, mais je pourrais faire beaucoup plus de références que cela, je faisais référence incident, au témoignage de Lakmin, qui est venu témoigner devant la Chambre le 26 avril 2007. Et je suis juste avant 10h16-38. Just before 10 hours 16:38 seconds. J'espère avoir clarifié ma compréhension de ces incidents que je considère séparés, pour avoir également checké avec nos confrères Khmer. Je souhaitais faire réagir le témoin sur un troisième incident séparé qui aurait impliqué un membre du personnel médical qui s'appelle Sun. A member of the medical staff called Sun. Connaissiez-vous, monsieur le témoin, witness, à l'époque, un membre du personnel médical period, qui s'appelait Sun, et cela s'écrit S-O-E-U-N-G. Sun. Mais t'as bien dit. Apparemment, j'ai bien prononcé. Apparently, I pronounce it correctly. The names clearly. Je ne me souviens pas très bien des noms. After medics from former Division 703 had been arrested. Après l'arrestation d'un infirmier de l'ancienne division 703, de nouveaux infirmiers sont arrivés et ils étaient très jeunes. I cannot recall their names clearly. Je ne me souviens pas très bien de leurs noms. Et sans vous souvenir nécessairement de leurs noms, mais avez-vous le souvenir d'un événement qui aurait impliqué un infirmier qui aurait violé une détenue? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir ou pas du tout? Raped a detainee. Is that something you remember, or you do not remember it at all? As I have indicated, regarding the affairs outside my work, I did not. Comme je l'ai dit, je ne m'occupais pas des affaires qui n'étaient pas liées à mon travail. All the works were organized by Hoy et Peng organisaient le travail, et moi je me concentrais sur les tâches que je devais accomplir. Je ne m'intéressais pas au travail de ces personnes, de ces autres personnes. Merci, et j'ai juste une dernière question, Monsieur le Président, parce que je crois que je suis au bout de mon temps. President. Connaissez-vous à l'époque un garde qui s'appelait Choi, who is believed to have fled to Vietnam? Allow me to say that my recollection of names is not clear at the present time. Je ne garde pas un très bon souvenir des noms. There was an incident where et ma mémoire me fait défaut. Prisoner successfully fled. Il y a eu des cas où des prisonniers avaient réussi à s'évader. Je vous parle ici d'un gardien qui aurait fui au Vietnam. To a guard Est-ce que ça vous dit quelque chose? He is believed to have fled to Vietnam.
Does that ring a bell to you? Qui avait été accusé d'inconduite morale. That guard was accused of moral misconduct. Regarding a guard who was accused of misconduct, I cannot recall it. As I said, je ne me souviens pas d'un garde qui a été accusé d'inconduite morale. Comme je l'ai dit, les faits se sont déroulés il y a longtemps et je ne m'intéressais pas au travail des autres personnes. Je vous remercie, monsieur le témoin. Merci, monsieur le président. Thank you, witness. Thank you, Mr. President. I have no further questions to the witness. Le président, je vais passer la parole au juge Lavergne pour poser des questions aux témoins. Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Thank you, bonjour, Mr. President. Monsieur le témoin. Good morning, witness. J'ai un certain nombre de questions à poser. Of questions for you. Il s'agit pour l'essentiel de questions These de questions suivi. Essentially are follow-up J'aimerais tout questions. D'abord que nous revenions sur I'd like us to start votre biographie. By revisiting your biography. Il s'agit du document, and it is document qui vous a été présenté a hier. That was deux shown to you yesterday. There were two une biographies. Courte One et was short, une plus longue. And the other one was s'agissant de la much plus longue, longer, regarding the much longer biography, the reference number is E3/10570. In that biography, au point 5, at point il y a number une 5, rubrique concernant there le statut a de column classe. Regarding the et class status. Vous avez indiqué and you stated statut de classe. Under that column, pure est-ce que vous pouvez nous dire status. Ce que cela signifie? Can you tell us être what d'une that classe means, pure. Being of a pure je class. Précise que Let me point il s'agit out de la page en Khmer. The Khmer page is ERN 012-416-10. Pour la page and en anglais, the French, il s'agit de la the première page in English, de ce document. À la fin du point 5. At the end of point number que signifie five, and it's the first page. Appartenir à une classe what pure? Does it mean to belong to a pure class? Would like to review that biography before I make my response to your question. J'aimerais relire ma biographie avant de pouvoir répondre à votre question, monsieur le juge. Alors, si vous n'avez pas ce document, je peux vous le faire remettre. If you do not have the document before you, I can have it presented to you. Excusez-moi, pendant que le témoin consulte le document, est-ce que je peux avoir confirmation qu'en français, on n'a pas forcément toute la traduction? Si c'est le document E3/10570. Alors, pour être tout à fait franc, je n'ai pas la version française sous les yeux. To be very frank, j'ai I do not have version the French version before me. Marqué, I have only the English version. Juste avant le point 6, il est marqué just before class point status number 6, pure. We have que, class en, en français, pure. Ça n'apparaît pas. Donc c'est, je voulais juste m'assurer. That doesn't feature in the French. Pour I just fois, wanted to be sure. J'ai fait ma préparation pour des raisons de temps à partir de la version disponible qui était l'anglais. I prepared for my questioning on the version that was available and it is in English. Maintenant, on va savoir si ça existe en Khmer. Now the question is whether it does exist in Khmer. ปัญหาผิดดำขนม
refers to the origin of the class status. Est-ce que vous pouvez répéter? Cette mention renvoie à l'origine et à la classe sociale. Judge Lavin, can you please repeat what you said? Here in this biography, it mentions the origin of a class, not a pure class, as la classe sociale you indicated. Est mentionnée. Et on ne parle pas de classe pure. And here comme for the origin class status, it refers to the profession. Et pour l'origine revolution et la classe sociale, as well as the class status of being a soldier. On parle de profession, de l'adhésion à la révolution et du statut de soldat. I think the question is if it is filled in. I have the French version open. It simply doesn't. It has the line, but it doesn't have a. It isn't filled in. Yeah. So what about the Khmer version? Dans la version française, nous avons la mention classe sociale d'origine, mais rien n'y est marqué. Je ne sais pas si c'est pareil dans la version en Khmer. Judge Lavange, please indicate to the chamber which point you actually focus in, particular which number on the Khmer document. Quel est le point dont vous faites mention et où est-ce qu'il figure dans le document en Khmer? Alors, dans le document Khmer, je pense Judge que c'est Lavin, à la deuxième page. C'est à l'ERN Khmer, en Khmer, 012-41-610. Et dans la version en anglais, juste au-dessus du point 6, Occupation stated, after occupation. Joining the revolution, il y a une ligne after où il est écrit revolution, class status there is a line pure. On which we find en Khmer, on m'indique qu'il n'y a pas de mention. In comme en Khmer, français, que c'est non rempli. Entry, donc il y a peut-être une erreur dans la traduction. It's an error in the English translation. La prochaine fois, je ferai confiance qu'aux versions françaises. Judge Lavin, once more, let me point out dans that I am relying on the French biographie, version. Vous faites état de in vos this biography, you mention your brothers and sisters. Vous avez dit que yesterday, vous n'aviez pas pu devenir membre du PCK à cause de vos antécédents familiaux. PCK, est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Family background. En quoi can you be more les specific? Antécédents familiaux vous empêchaient-ils in d'être way membre du PCK? Did your family background prevent you from being a member of the Communist Party of Cambodia, CPK? My biography, I can say that I could not become a member of the party. D'après ma biographie, je dirais que je n'ai pas pu devenir un membre du parti. I was in fact a member of the Youth League. Mais je faisais partie I was active during the war la Ligue period de la jeunesse, étant donné que j'étais actif and pendant la guerre. After that, through the examination of my biography, it was found out that après examen all de ma my family members and relatives lived in Phnom Penh. Il a été constaté que tous les membres de ma famille vivaient à Phnom Penh. After the coup d'état by Lon Nol, I returned to après my le coup d'état native de Lon Nol, village. J'ai regagné mon village natal. While the rest of my brothers and sisters and tandis four of them were still living in Phnom Penh. Le reste de mes frères et sœurs étaient restés à Phnom Penh. And I was by myself in the native village to look after our je suis resté tout seul dans mon village natal pour veiller sur notre maison so they et could nos see biens. That within the examination of my biography, the rest of the family members dans le cadre lived de l'examen de ma biographie, under the Lunar regime. Ils avaient vu que, ils avaient constaté que les membres de ma famille I was also categorized vivaient as sous le régime de Lon Nol. Persuasi student, and for that reason, I would never become a member of the party due to this background. Du parti, de par ses antécédents.
Alors, vous dites que les membres de votre famille now, habitaient tous à Phnom Penh. All your family members resided in Phnom Penh. You are even more specific in your biography since you stated that you had a sister who was a member of the medical staff and two brothers who were soldiers. Were they soldiers in the Lon Nol army, Mr. SUOS Thy? They were Lon Nol soldiers. Ils étaient des soldats de Lon Nol. Est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose pendant le régime démocratique? Did anything happen to them during the democratic Cambodia regime? During the decay period, after they did the research, sous le régime du Cambodge démocratique, après avoir effectué leurs recherches et découvert que mes deux frères étaient des anciens soldats, ceux-ci ont été arrêtés et tués. One of my elder brothers, who was also a soldier, l'un de mes frères aînés, actually, qui était également soldat, was evacuated to Battambang, a été évacué and due to the shortage of food, he died. Et en raison de la pénurie de nourriture, il est décédé. À ce jour, vous faisiez partie, je crois, d'une famille de 9 enfants. Till date, est-ce qu'il y a encore, est-ce que vous avez encore des frères et sœurs qui sont vivants? A family of 9 children. Do you still have brothers and sisters who are alive today? To clarify that I was one of the eight siblings. As for those who were soldiers, that included my younger in-laws as well. Et j'avais également des membres de ma belle famille. They were younger than me during the Lon Nol regime. Ils étaient plus jeunes que moi sous le régime de Lon Nol. Et pendant la période province. De Cambodge démocratique, ils ont tous été évacués à Battambang. They worked in a mobile unit in Prakhao. Ils travaillaient à Prakhao, près de Korko, dans une unité itinérante. And only my elder sister, seule ma sœur aînée, along with her husband, who was a former soldier, de même que son mari, went to Battambang qui était ancien militaire, sont allés dans la province de Battambang. Et pour répondre à ma question, combien sont Judge encore vivants aujourd'hui? How many of your siblings are still alive today? Actuellement, nous sommes trois. Namely myself and moi-même my two younger sisters. Et mes deux sœurs cadettes. One of my younger sister actually is paralyzed L'une from de mes soeurs cadettes est paralysée et souffre d'hypertension. Pour faire le point sur la situation familiale, est-ce que vous étiez marié, Mr. SUOS Thy, quand vous étiez à SMTA, your family situation, Mr. SUOS Thy, were you married when you were at S21 or prior to joining S21? I was not yet married while I was working at S21. Je n'étais pas encore mariée. I got married only after the fall of the regime, that I got married in 1981. Rather, it was 1980, not 81. Plutôt en 1980, se corrige le témoin.
Donc, si je résume, quand vous travaillez à S21, vous avez un passé, when you were working at S21, vous même qualifié a background de petit bourgeois. Which you yourself described si je ne me trompe as pas, vous avez bourgeois. Également étudié vous-même Unless à Phnom Penh. Mistaken, vous avez étudié dans une école qui est toute proche Phnom Penh. Ici. At a school that was close to this place, did you study at the secondary and primary school of Cham Chau? I studied at Chum Phu Buon. Lycée Chum Phu Buon, and I was in grade 2 au lycée de Chum Phu Buon, j'étais en deuxième sous l'ancien système éducatif. C'est bien un lycée qui se situe à Cham Chau. Is that college close to Cham Chau? It was located in Cham Chau and it was close to Cham Chau, to Chum Phu Buon pagoda. Près de la pagode de Chum Phu Buon. Vous avez appartenu à la division 112, you are a member of division 112, la division which 703. Subsequently became division 703. According to what Est-ce you stated yesterday, l'appartenance à cette division did your membership of that division était un mauvais élément dans votre biographie? A bad element in your biography. In the biography, and if we use the term used during the regime, it refers to the not good element. Dans However, ma biographie because sur le régime, there were on not many intellectuals, people at the time, à l'époque, they il n'y avait pas beaucoup decided to use me. Alors, ils ont décidé de m'utiliser. Monsieur SUOS Thy, je pense que vous avez peut-être remarqué qu'un certain nombre de prisonniers de S21 venaient de la division 703. Est-ce que votre passé, votre appartenance à un milieu que vous avez qualifié petit bourgeois, est-ce que le fait que vous ayez été vous-même un membre de la division 112 and the fact that you were yourself a member of division 112 were vous-même these arrêté. Elements such that you yourself could have been arrested? I worked at Officer S21 and I was so scared while je travaillais I was working au centre there. The S21 was, et j'avais très with peur. Me all the time. La peur ne me quittait pas. I observed that the people whom I used to work with, including my commander, j'ai constaté que les personnes avec qui je travaillais, notamment on, mes chefs, avaient été arrêtés. Par la suite, Hui a également so, été arrêté. Desperate that I would be arrêted since je me suis senti I tellement désespéré. Network. Et j'avais peur d'être arrêté, étant donné que j'appartenais à la même filière. Généralement, les personnes d'une même filière étaient arrêtées. Est-ce que cette peur vous a poussé à être un agent zélé de S21? Prompt you to become a zealous agent of S21? I tried my best to work at the time so de that I de mon mieux could be avoided of being under monitored and arrested. Pour que je ne sois pas arrêté ni monitoré ni mis sous surveillance. Passer une autre question. Question, dans les années 80, in the 1980s,
à S21 vous a conduit did your work à at S21 être détenu à votre tour? Et occasion si oui, your detention and if vous a reproché, yes, qu'est-ce when qui s'est passé? And were you blamed for anything that happened? នៅឆ្នាំ1984ខ្ញុំចាំ84គេបានមកចាប់ខ្ញុំនៅផ្ទះ Je me souviens qu'en 1984 ils sont venus m'arrêter at my home on the allegation that I worked at a tool slide in prison and I was accused of being the top chief j'avais travaillé of à la prison tool slide et que j'étais l'un des chefs supérieurs de cette prison. Vous avez été Question. Incarcéré et si oui, pendant combien de temps? Were you detained and if yes, for how long? I was arrested and placed in prison. J'ai été arrêté for et emprisonné about 5 years. Pendant 5 ans environ. I noticed that it was 5 years because every week je I made ans a mark on car the chaque prison semaine, wall. Je faisais une marque and sur I les murs was de la prison. Subsequently released in 1987. Dans la suite, j'ai été libéré en 1987. Bien. Merci pour cette clarification. J'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet. I would like us to broach another subject now. Yesterday, questions were put to you regarding S21 and the location of S21 as the different blocks at S21. Can you tell us whether you do recall that at the top of a gate at S21 was a red panel de, with inscriptions written on it. Ce genre de panneau do you remember this kind of board that was placed above a gate? I cannot recall it clearly. Je ne m'en souviens pas clairement. Regarding any red board at the main gate. Je ne me souviens pas d'un panneau rouge au-dessus du portail. Principal. Alors, je ne parle pas du portail principal. Question. I'm not talking about the main gate. Audiovisuelle de May projeter I ask une image the audiovisual qui unit provient to screen du an image from E3 the documentary E3/719R. The title is. Est-ce qu'il est possible de projeter cette image? I don't know whether it is possible to screen that image. Every unit plays service technique display that image per veuillez faire projeter request. Cette image à la demande du juge Lavergne. Alors, cette image so, est difficilement lisible of course, en état. It's hard to read what's written on the signboard in this image, and the chamber asked that the translation unit to très prochainement. Elle n'est pas file a translation dossier. That will be filed very soon. ITU and donc a donné ITU la suivante. Provided the following translation. Constantly, Python. The spirit of revolutionary vigilance. Ensuite, il y a un mot. And then there's a word that's illegible. All enemy tricks and absolutely protect the nation, the revolution, the people and the party. Je précise également. I'd like to also specify que figure dans le livre de monsieur Chandler. In Chandler's book, une traduction there is en anglais, an English translation
Donc dans le livre de Monsieur Chandler, Voice of S21. So this is in Chandler's book, Voices of S21. Oh, I cannot find the references here, but I'll give them to you later. Well, the following is said, donc en anglais, in English. Over the gate was a red placard inscribed in sur yellow. Sur le portail, il y avait un panneau en rouge. With a Khmer slogan. Avec des inscriptions en jaune. Fortify the portant spirit un slogan of the Khmer. Fortifiez l'esprit de la révolution. Be on your guard. Restez sur vos gardes. Against the strategy and tactics. Contre la stratégie so as to et la tactique the country, de l'ennemi, the people, afin de défendre le pays, la population et le parti. Est-ce que cela vous rafraîchit? Does this refresh your memory in any way? As I have indicated. I cannot recall about the placard. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas d'un tel panneau. When I left my workplace for meals, I would go straight lorsque to the mon poste dining hall pour prendre and after I finished repas, my meal, directement I quickly au réfectoire to my office. Et mon repas achevé, je rentrais rapidement à mon bureau. Juste une question avant la pause. Well, just a question est-ce before the break. Do you remember, si Mr. SUOS Thy, certaines cellules if some disposaient of de lits the cells had metal beds in them? On a vu un certain nombre de photos de we've seen a certain number of pictures of S21 la présence de lits en fer et parfois showing même the presence of metal beds and sometimes even bodies of dead people on these metal beds. So do you remember seeing metal beds in the S21 cells? Retry the points that I did not know about whatever was available in the special prison. De tout ce qui never pouvait exister à la prison spéciale, metal, y compris des lits en fer. And only later on when I was c'est seulement for an interview and presented quand on m'a with convoqué metal bed, then I, pour un entretien et qu'on m'a montré un lit en fer as for those who were detained in que the main j'ai buildings, compris they did not, ceux qui étaient rest détenus on bed. They actually dans le bâtiment principal dormaient à même le sol et non pas sur un lit. President, thank you. Le président, it is now merci. Appropriate time le moment for est venu lunch break. D'observer une break pause now pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Court officer, please assist the witness at the waiting room reserved for witnesses and third parties during the break time réservée and à cet invite effet. Him as well as veuillez his duty counsel back into the courtroom at 1:30 this afternoon. Security personnel agent is instructed to take you some point to the waiting room downstairs and have him returned to attend the proceedings this afternoon et le before 1:30 cet après-midi the court is having recess. Suspension de l'audience.